Bricori nouvelle gaillé. Monsieur ça qui c'est yon, en pile moun connaît monsieur sous nom ça. Vrai nom citoyen si là mesdames messieurs c'est Jeremy Joly. Jeremy Joly, monsieur ici en pile moun connaît monsieur dans pays d'Haïti que la police nationale d'Haïti t'est arrivé fouqué et c'est pigo chef base 400 Maozoa. Eh bien nan moment n'a parlé là monsieur t'a supposé est arrivé aux États-Unis d'Amérique suite avec extradition que la police nationale d'Haïti ou bien gouvernement Haïti haïtien fait avec gouvernement états-unien yon façon pour capable ba yon coup de main dans sens ça malman détail mal permet nous comprendre monsieur ça pendant monsieur Pralia monsieur Katsamaozo apprendre nouvelle ça c'est pas des dégâts mesdames messieurs ça pas préparé pour faire Brian Koury, nouvelle la gaïl, paf, en pile net plaisir, mais en pile moun fèn konnen, en bas, la mou sans jou senti li capable ri en bas ti mouchoir. Mbrel bon détail, mbrel permet nous comprendre que Jean yon alak monsieur, quelques raisons fè alak monsieur, pour qui ça, en fait, c'est kounya, mesdames, messieurs, yon choisi lever monsieur, est-ce que en réalité les États-Unis d'Amérique pral fon bagay vrai dans question arrestation yoyon ou bien extradition yoyon pral mon détail mal permettre nous comprendre nous pral saisir comprendre bagay ça mesdames messieurs abonnez à la chaîne là youn nan meilleure façon capable rester bien informé et mesdames messieurs si vous faites ça déjà c'est avec un pile intérêt mesdames messieurs n'a toujours content pour quitter un like ou bien faire nous sentir comment bagay arrive sous dans commentaire mesdames messieurs. Yoyon en quelque sorte nous connaissons ça fait quelques temps en pile moun tap vann monsieur comme une nanek qui était en bac tap fait social dans zone pleine nan ou bien pleine cul de sac là mesdames messieurs précisément dans quoi des bouquets. Et bien mesdames messieurs après quelques mouvements et tentatives que ancien commissaire du gouvernement à savoir Jean-Renel Senatus alias Zorki qui était fait monsieur était finalement comprendre que monsieur bay pour yoyon c'est un petit vagabond, un petit voyou, un sans vergogne qui a fait l'obéi de la République, en quelque sorte, mesdames, messieurs, qui besoin yon leçon morale. Eh bien, mesdames, messieurs, yon nan meilleur bagay yon te fait pour monsieur, yon te rive fou que monsieur. Alors, là, Jean-Renel, je ne voulais pas parler de Jean-Renel Senatus. Je voulais parler, mesdames, messieurs, de ensemble de décisions que tu prends à cette époque, yon te fou que monsieur. Donc, désolé à chacun de vous, mesdames, messieurs. Eh bien, mesdames, messieurs, la PNH prend le seul pour informer nous. Le nom Benjamin Joly alias Yoyon a été extradé vers les États-Unis d'Amérique ce mardi 3 mai 2022 à bord d'un avion spécial du FBI, mesdames, messieurs, suite à une demande d'entraide judiciaire produite par les autorités judiciaires américaines le 22 avril 2022. Il a demandé, monsieur, pour venir joindre. Il est poursuivi via un mandat international émis par le tribunal de district des USA ou les États-Unis d'Amérique pour le district de Columbia pour les chefs d'accusation suivants. Ensemble d'accusation, ça n'a aucun balbao, mesdames, messieurs. Avant de parler d'accusation, quittez me rappeler que malgré que vous comme ça, mesdames, messieurs, vous êtes en deux prison civile pénitentiaire nationale. En fait, monsieur, c'était un qui était vraiment à l'aise. D'ailleurs, je regarde la photo, monsieur, là, c'est monsieur correct, monsieur beau petit garçon. En fait, tout a dit et tout, monsieur, c'est un nègre qui, en quelque sorte, qui a fait le gros mouvement pour, ouais. Est-ce qu'on nègre, s'il pas travail, s'il pas une liberté dans le travail, mesdames, messieurs, est-ce qu'il a passé libre comme ça? En fait, eh bien, mesdames, messieurs, malheureusement, yon, lit toujours, était toujours un bel petit visage, monsieur frais. Coucou la 15 en dedans, mesdames, messieurs, en dedans côté, il est en prison. Mal dans nos détails. Mais avant tout, quittez-moi rappeler nous que pour qui ça est obligé d'extrader, monsieur, mesdames, messieurs. En tout premier lieu, monsieur, tu as supposé, monsieur, c'est une année qui participe à un complot, violation des lois américaines sur la réforme du contrôle des exportations et contrebande à partir des États-Unis d'Amérique. Bon, bien que, mesdames, messieurs, moi-même, je ne pas trop faire États-Unis confiance dans ce sens-là. Côté, il a parlé de complot, il a parlé de violation de loi américaine, de réforme, du contrôle, exploitation, paquet de l'obéi, dans ça qui gare à contrebande. Donc, je ne pas trop prendre les gars au sérieux. Ça, c'est le premier chef accusation. Deuxième, mesdames et messieurs, c'est importation d'armes de guerre. Comme quoi que yon c'est yon nanèg malgré tout qui toujours prend le soin. En fait, il y a gros âme dans
pour le capable faire l'obéi dans le pays, mesdames, messieurs. Et ceci, information que nous avons dans une seule année, mesdames, messieurs, nous avons dépensé plus que 200 000 dollars dans ce qui est avec munitions seulement. Dollars, tonton Samnan, dollars blancs américains, mesdames, messieurs. Donc, monsieur, importer un pile d'armes. Et deuxièmement, mesdames, messieurs, vous avez importé non seulement des armes, mais ce n'est pas n'importe quelles armes, mais c'est des armes de guerre. Et tout de suite après, vous importez tout, mesdames, messieurs, des munitions. J'aime dire, information que nous rejoignons, plus de 200 000 dollars par année pour monsieur acheter seulement munitions. Nous pas en mesure assez pour une bonne quantité d'armes ou une quantité d'argent d'armes que nous apprenons. Et qu'on a assez. Et troisièmement, mesdames, messieurs, c'est enlèvement suivi de séquestration contre rançon des citoyens blancs américains. Pas oublier de dire non bagaille. Les États-Unis d'Amérique, malgré eux, ont tout défaut ça yo. Mais quand c'est la question de des Américains, ou mais quand la, c'est la question de personnalité aux États-Unis d'Amérique, ils ne sont pas tout à fait silencieux. Ils ne sont pas aussi simples ou bien ouais bagaille yo, j'en paquet moun kwel. Nèg sa pas d'accord tôt ou tard pour yon américain à maltraiter dans mon groupe nèg estimé qui faible. Pas oublier madame monsieur yon ap entrer dans prison. Yon ap entrer dans prison tout en souriant. Information pas connait côté que monsieur yé en dans prison. Monsieur tellement senti le pas peur la terre, il s'est roi la terre madame monsieur. La première chose que monsieur fait non seulement c'est crayon la mené yo qui se base 400 maozo ka bay problème. Et deuxièmement, c'est créons l'armée au sein de la police nationale d'Haïti et créons l'armée au sein des prisonniers. OK? De chaque cellule, il y a des chefs, des représentants de yon. Et surtout, dans le bloc que l'été, il y a un petit côté de Boston en dedans. Dans Boston, même mesdames, messieurs, monsieur, il y a des nègres qui là, nègres qui sont là seulement pour capable prendre rapport pour yon. On va apprendre à comprendre ça. Yon, c'est une personnalité aussi simple à partir de une série de analyses qu'elle fait. Bon, en fait, monsieur c'est un gros dirigeant et information a été révélée quand il y avait des Américains ou bien des habitants ou bien il y avait des blancs tonton Sam chez eux. Première chose que yon ont fait. Yon te fait qu'on est vle ou pas faut gen rançon te payer au lieu que sinon yon pas bay li. Information que moi-même de gen, dérivé joine moi. Malheureusement en Haïti, police kon pa vle tande pour yon appliquer puisque j'en information sa ou lor la ge yo, yon kon gen tendance à ignorer information yo. Au fait, monsieur, en quelque sorte, depuis le sal les États-Unis d'Amérique kap suivre monsieur. Il y a plusieurs services FBI qui entrent ici, des agents, je parle de services également et des agents, puisque chaque nègre a une attribution au niveau de FBI. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a un service qui est venu pour contrôler, mesdames, messieurs, le fonctionnement de, du base 400 Maozo. Est-ce qu'en réalité, il y a une personne qui a une capacité en quelque sorte pour capable à contrôler la base là et si il y a un monde, c'est qui est-ce que lié? Pas bien, pile monde t'a posé cette question, les autres t'ont demandé pour prendre téléphone non mais monsieur ça information que me gagne effectivement ou pas de voulez prendre téléphone non mais monsieur puisque t'es une enquête en cours. Et ça fait population moi même dit nous ça. Les a réfléchi les bon gens, fait monde qui placé qui cap rendre mieux confiance en ce sens. Au fait monsieur qui noir, monsieur qui quitter téléphone non mais monsieur pour me exercer pendant un bon titre. Et c'est là monsieur li fin fait tout ça l'a fait, les grandes décisions qu'elle prend, c'est l'homme qui a rendu compte que je t'ai suivi, mais c'est plus et au extra d'elle. Bon, l'autre aspect, nous parlons. C'est qui ça, ça prend le côté comme je suis par rapport qui ça, ça prend le jeu comme moi pour le pays d'Haïti et quels sont les désavantages de monsieur Lamo Sanjou, de collègues, de fanfan, de plusieurs nègres. Qui ça lié comme désavantage? Bon, prend pour petit voyou. Wanek sa yo, c'est des nèg kap chache pour yo chef longtemps. C'est des nèg qui toujours vle chef. Mais c'est très malheureux mesdames messieurs pour yo vin chef là. Il pas facile par rapport avec contrôle zam yo, base yo. Seul moun mesdames messieurs
qui contrôle yo le palot que yo. Si yo carré l'école côté lia, si yo carré les gaspillage côté lia, si yo carré les n'importe nèg, li dit monsieur, voilà ce que vous devez faire. D'ailleurs, me dit nous té même moi altercation entre collègues et monsieur Lamont Sanjou puisque Lamont Sanjou t'estimé que yo té ba monsieur trop valait trop respect. Et bien madame monsieur, Lamont Sanjou té toujours besoin d'un chef sans pas recevoir des ordres. Non mais quelqu'un est qui n'a pas dit des quatre murailles. Eh bien mesdames messieurs, c'est peut-être une occasion pour monsieur. Mais le problème c'est que pendant que monsieur fait ça, bon bagaille qui pas facile. C'est vraiment pas facile parce que malgré tout mesdames messieurs, yon gagne des soldats qui t'a créé. Base ça au 400 maroso pas connait yo et le problème c'est que yo pas connait est-ce que nèg ça va pas renégocier, est-ce que nèg ça va pas chercher une tente avec un autre groupe monde. On veut l'autre base. Il y a monde qui dit baga la politique jusqu'à présent le cas politique parce qu'il n'y a pas qu'être politicien sans vergogne, mais vous voulez comprendre que c'est pas politique seulement. C'est tout également des malfrats, des nèg qui mal intentionnés. Maintenant, ça c'est ensemble des avantages qui va gagner en bazar, nèg a déséquilibré la police qui a gagné plus capacité ou nèg ou peut-être que nèg pas gagné plus colère puisque vous femme connaît en pile nèg qui est motivé là pour aller tirer faire des ordres mal sous population. Et kounyan, yon konvoy sa fè sorti que yon pa pral, yon pa en face bandi, en face moun ki pa nan base 400 maroso. Son bagay ki pral fragile. Kounyan ki sa les États-Unis d'Amérique pral pote comme fui. Sel garanti ban nou madame monsieur si yon bezwen monsieur parle pou l'zon bagay monsieur parle. Et ceci si yon bezwen pou monsieur ba an kout men réellement vrai. Monsieur ba kout men madame monsieur. Et si monsieur pa ba kout men c'est parce que yon gen doit parler ou bien kout men sa gen doit au détriment de yon. Ça qui est sûr que son dossier qui est bien classé là, un pile monde va laisser comprendre, va regarder qui ça va le porter comme résultat puisque c'est habitude n'est que ça, venir prendre mon ici, aller faire l'obeille, faire au bon titan, bagaille, on va être l'obeille. So, n'a pas tant pour nous qui ça va le faire puisque dernièrement là, au fouqué diron et même Jean mesdames messieurs, yo fouqué tout, yo extradé pour aller vers les États-Unis d'Amérique. Dans le moment ça monsieur quand il est arrivé, il a fait contrôle pour monsieur. Yo pas le bar écoute même, je pas expliquer qui est dans mon nio cap balsam, côté au sorti, qui groupe de monde cap serve avec yo, qui ça cap passer, qui est tout en au fait qui capable retourner danger spécial. Depuis là me connaît monsieur était kidnappé blanc yo, les américains madame monsieur pardonnez-moi, me dit blanc américain yo. Donc c'est parce que m'te just dit tête moi n'yo pas tap naïf comme ça si yo pas de grand plan. Effectivement, yo te grand plan et d'où mais yo rive kounya dans situation pour exercer plan en tout cas, baga la mélanger pour yo. En tout cas, n'a suivre. L'insécurité val. Donc gagné une information qui pas gagné trop longtemps depuis que nous gagnons. Donc c'est site officiel PNH là. Donc le nommé Germiné Joly alias Yonyon a été extradé vers les États-Unis d'Amérique ce mardi 3 mai 2022 à bord d'un avion spécial FBI suite à une demande d'entraide judiciaire produite par les autorités judiciaires américaines le 22 avril 2022. Donc Yonyon qui était dans pénitentiaire national, est-ce que c'est Yonyon qui gagnait base 400 maroso, pourquoi c'était responsable, c'est fondateur. Et en plus, le monde dit que tout ça qu'a fait, c'est lui-même qui a guidé base 400 maroso. Donc, américain vient chercher monsieur, probablement pour la collaborer, ouais, pour t'aider à comprendre qui j'en base en fonctionner. Et en même temps, bon, comme nous pas fait ça en Haïti, c'est peut-être la caillou, l'acheter des amis, peut-être que pour la le dire, comment le fait pour Zam ça rentrer dans le pays? Bon, en tout cas, question insécurité, question gang, question bandit, et depuis le mélanger avec les États-Unis, bon, ou mettre crasé comme poisson dans le bouillon parce que pays d'Haïti, nous avons un genre de réforme Mounzao, nous avons un genre de traité, nous allons mettre continuer, nous ne pouvons pas trop persister sous jeu de cap jeu entre les États-Unis et Yonyon. Donc c'est 31-21 même. Bon, on continue. Ouais. Donc moi-même contrairement à tant comme Dabzia, deux monde qui pensait que écoutez c'est une approche profane et dans le sens que peut-être pour un pile monde, il pensait que c'est un problème de moyens
Écoutez, moi-même, moi pensais que c'est pas une approche profane. Parce que pour moi-même, question volontaire à lui poser. Question volontaire pour moi-même lui poser. Et moi, quoi? Si tu as une volonté, si question sécurité dans le pays, c'était un objet de préoccupation, s'il ne pas te faire affaire ensemble de monde, ça veut dire, j'en pays a fonctionné là, s'il ne pas te faire affaire, s'il ne pas te bénéfice dans le pays, dans le pays certainement, moi, pas dit que le pays d'Haïti est un pays qui t'a gagné, qui t'a, c'est un pays qui est plus sécurisé au monde. Et, mais certainement, situation, ça côté que, donc, le pays a lui-même, il, totalement bloqué et donc plusieurs en tout cas territoires on pas gagné accès à eux même plusieurs départements et je dis assez on va le donc pour le Grand Nord bon, à un certain moment c'était toujours le cas donc c'était des braves qui passaient et croix des bouquets ou bien qui passaient par route 9 soit qui allaient dans le Nord ou à Tibonite ou dans l'autre département donc mais je dis à au venir dans une situation côté que et écoutez en pile moun en tout cas mouvement aller venir qui pourra le faire entre capitale là ou bien l'ouest et grand nord certainement il pourra considérablement diminuer puisque il est clair si l'état si autorité pas une formule pour que ça cap rivé là rivé territoire ça yo qui est en train d'occuper par d'autres gangs et très très méchant, s'il vous plaît. Ouais, le gang sans pitié, certainement. Eh bien, pas de vraiment de difficultés pour que le monde circule dans le pays. Bon, par contre, c'est pas le bon temps, puisque même beaucoup d'espace. Et pour le monde dans le sud, dans le sud-est, dans la grande il y a une formule, il y a passé par Saint-Jude. Le monde qui parle dans le Nip, la Kaïbrizi, mon Jean, il y a forcé passer par Saint-Jude, même si ça arrive et il y a roulé dans les machines. Tout est possible puisque route là c'est pas une route yo était construite donc pour gagner de fréquentation et n'ta cap dit en permanence comme ça c'est pas route yo était construite comme ça c'est pas route yo était construite pour gagner donc ensemble de trajets voir ça qu'a fait souler donc moi je crois que jodi a pour moi même gros absence de volonté si tu as volonté pour te pencher sur ça il t'a fait question sécurité à son priorité pour yo il t'a pas chercher l'argent ça me quel il y a mon effectivement qui dit police ça pas gain moyen oui me penser ça mais m'en vie dit que ce soit pas simpliste puisque dans tout pays au monde dans tout pays sur la terre m'a quoi l'argent était été comme ça pays a pas gon côté et gon pied bois qui fait l'argent aussi pied bois ça son pied bois qui fait l'argent et l'argent tombé on a ramassé l'argent. Donc, autorité ont mis des balises et des structures, que ce soit juridiques, matérielles, pour aller chercher l'argent. Et c'est avec l'argent ça, ils n'ont pas le fait développement. Donc, voilà, le pays est extrêmement difficile et je pense que ce type de mission, ça, on a toujours continué à faire pour regarder qui ça voulait penser. Et de ça, qui a passé dans le pays, qui certainement préoccupait un peu le monde. Et moi-même, il y a un bagage que je regarde, c'est que diaspora li préoccupé en pile par situation parce que grand pile moun nan diaspora ka brilé parce que justement ça se comprend rapidement c'est le moun qui a envie tourner la caillou mais pas ka tourner c'est le moun jodi a la qui a envie venir al visiter Saint-Michel qui pas ka visiter Saint-Michel de la Dala na occasion fête Huméa c'est le moun qui gen l'autre fête qui qu'on a fête qui pas ka venir hein. Je me souviens 11 ans moi, récemment qui t'a fêté. Et jusqu'à présent, c'est période fête, monsieur. Et on va. Monsieur a fêté d'habitude, il sorti en France. La Jacques Mel. Mais le pas de calé, non? Père Hens, qui a profité pour nous saluer. C'est toujours à suivre mission. Donc, mon chien, nous toujours à fêter. Donc, d'habitude, Père Hens sorti en France. Li vin Haïti, la fête la caille, mais il pas capable, non? Li pas capable. C'était fête Jacques Mel la caille, monsieur. Li pas capable. Donc, ça qui a passé là, non, votre non participation, moun yo, dans l'émission qui a passé là, que ce soit diaspora, que ce soit moun qui Haïti,
de citoyens qui vivent dans le pays qui sont victimes de ça qui a privé là des questions insécurité et que le pays a traversé de situation ça, mais au sentiment concerné. Même ça, t'es étonné, c'est un remarque combien fondamental, combien important que me fait pour moi, combien en pile monde dans la diaspora relé pour dire pour participer dans l'émission. Donc voilà, et président Jean Viné, il est venu nous là, donc n'a salué président Jean, comment nous? Ça va. Nous saluons tout le monde qui branche l'émission. Et comme c'est moi pas trop bien. Le conseil qui permet d'où? Bon, il va grip non, je sens pas trop bien. Mais nous là et peut-être ça t'a étonné moi si nous très bien parce que il y a pas bon. J'ai un pays à là et pas bien. Et bon, et moi m'a parlé dit même ba tout le temps. M'a parlé fait même débat yo. Et me penser il faut que une responsabilité qui prend. Et moi m'était passé mon quoi de bouquet yo, mon vide bois yo t'a fait ça me dit qu'on dit mon Matissan. Mon bicentenaire, mon la saline pour faire. On ne peut pas jamais comprendre. Parce que moi, ça arrive, mon yo. Au lieu d'aller devant primature, côté PM, na ya. Au lieu d'aller devant direction générale police, là. Mon yo, c'est sous place. Claire, c'est non, yo, allez. Et yo, voyez vidéo, bah, moi, mon yo, c'est mi balai. Nous débarquer. Bon. Pendant un certain temps, qui beaucoup gens moi juge. Ça fait nous toujours demander à l'ambassade là lui-même pour lui capable bouger col, pour lui capable faire travail là. Bien sûr, l'aime t'attendait la responsable a te dit que mes travail que vous faire, mais ça que fait comme travail, moi pas le démentir ou dire pas fin, mais au contraire, m'a encourager pour faire plus. Parce que l'aime attendait famille moun yo qui a expliqué nan ki ka famille ou nan ki ka proche yo nan prison en République Dominicaine son bagay ki vraiment vraiment difficile comme situation, c'est un bagay ki vraiment grave. C'est pour ça n'a mandé responsable au niveau de l'ambassade d'Haïti en République Dominicaine activer gestion, activer action yo, essayer aller plus rapide, essayer aller plus vite, bat pour nous faire plus bagay. Parce que toujours gagner reproche, toujours gagner plaignant par rapport à travail que nous disons faire qui peut qu'on couvrir tout ça qui gagner comme situation. Monsieur t'es parlé de passeport tout et m'étais bien content d'entendre que moun qui dans ambassade à Haïti en République Dominicaine yo d'accord avec l'idée pour dossier haïtien qui en République Dominicaine yo pas obligé aller jusqu'à Washington pour yo faire un passeport. Parce que Haïti avec la République Dominicaine, nous avons une frontière terrestre. Pour sa passeport là lui-même, ou encore pour sa formulaire là lui-même, il n'est pas entré ici dans Haïti pour passeport la fête, après ça pour le retourner en République Dominicaine. Et bien, des messieurs ont même parlé de pour qui ça en République Dominicaine, parce qu'il y a un centre qui a imprimé passeport pour tout le Caraïbe. Là, ça, c'est une autre idée encore. Mais idée pour passeport, monde qui est en République Dominicaine, capable de faire en Haïti, bon, c'est une très bonne idée. Là, en termes de temps, moun yo pour aller moins de temps pour être capable de jouer un passeport. Parce que leur jeune moun ka fait un an, deux ans, trois ans, li pa jouer un passeport. L'allemand des informations explique que passeport c'est la lui-même. Là, l'imprimer juste Washington. Bon, passeport moun a imprimé Washington, moun nan reconnaît qu'il a privé Washington. Haïti, c'est comme ça. Passeport moun nan prend avion encore, prend bateau pour l'imprimer juste Washington, pendant que Haïti, la République Dominicaine, nous sous même bout de terre là. M'parle pour qui ça, passeport ça ou même. Yo bat ka juste traverser frontière là, yo vini, même Jean-Port-au-Prince, a imprimé visa, alors après imprimer passeport pour un pile monde non, et bien pour penser qu'il a toujours imprimé passeport pour monde ça même qui a vivre en République Dominicaine. Alors pour affaire visa étudiant, bon c'est quand même ça, c'est un bagaille qui pratiquement réglé, parce que tout monde qui était tout étudiant qui était déposé passeport yo, pour être capable de joindre visa étudiant, yo déjà joindre et qu'on a ces nouveaux monde qui pour entrer dans processus là pour capable joindre visa étudiant yo.
nouvelle soirée République Dominicaine jodi a en pile zone République Dominicaine gen sacré les grèves gen en pile association professionnelle association militant